Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 16 août 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix Robertet, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. C'est sur la distance des 1800 mètres de la piste de Clairefontaine, nous risquons d'assister à une très belle bataille entre concurrents âgés de 4 ans et plus. Sur un bon terrain, le parcours dont disposera chacun fera certainement la différence dans cette catégorie handicap où les chevaux se tiennent donc de très près. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 9, Wood City. Fabrice Vermeulen est très confiant avant coup, et si Stéphane Pasquier se sort de numéro 14 dans les stalles de départ, il ne devrait tout simplement pas taper loin de la vérité. En deuxième choix, le numéro 5, Righteous Love. Christophe Escuder l'aime beaucoup et sa régularité parle pour lui. Associé à Maxime Guyon avec le 3 dans les stalles, il peut faire le show. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Episodia. Cet élève d'Henri Alex Pantal, âgé de 4 ans désormais, devra simplement se sortir du numéro 16 tout en dehors dans les stalles de départ pour espérer jouer la victoire finale. En quatrième position viendra le numéro 10, Mary Senchi. Stéphane Vatel est un homme adroit qui entraîne sur place à Deauville et qui pense sincèrement qu'elle peut renouer avec la victoire aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Ladybug. Elle est d'une très belle régularité depuis le début de l'année et comme Edwy Ardoin connaît une belle réussite dans les quintés plus, il faut logiquement lui accorder un large crédit. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Jerry. Michael Delzang, pardon, l'aime bien et comme Gérald Mossé s'entend très bien avec ses partenaires, il faut logiquement le retenir dans une combinaison en 8. En avant-dernier choix, le numéro 8, Half Dancer. Pas très chanceux lors de sa dernière tentative et bien loti ici avec le numéro 1 dans les stalles, il peut compter sur la précieuse aide de Michael Barzalona pour jouer le succès. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, You Got the Look. Pia Brandt l'aime bien et compte sur l'aide de Grégory Benoît pour le mener à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, le numéro 11, l'ange de minuit, deuxième atout de l'écurie Vatel, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Turf Sélection ne donne pas tiercé quarté quinté plus, mais voit tout de même son coup de poker conclure quatrième à la cote de 48 contre 1 et donne également un trio lors d'une réunion premium française faisant plus de 2550 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP, pour ainsi recevoir dans la foulée en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée,